Ben, j'arrive à venir et bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Attends, je vois avec Cédric. Cédric, t'as le bus avec toi? Ok, bah faudra juste appeler les taxis quand même pour qu'ils travaillent un peu, c'est leur job. Parfait, parfait. Mais en avant. Eh B. C'est que ce V8 là que je vais rouler? Oui. 92 km/h vitesse de pointe. Magnifique. Ah là là. Magnifique. Allez, je vais régler mon siège. Allez, va faire ça. Ouais. Mais du coup là, comment ça se passe? On va à l'aéroport? C'est ça. Ok. C'est ça, c'est ça. Et qu'est-ce qui nous attend là-bas? Alors, après ce sera un petit peu à la carte, mais du vol en ULM. Mm-hmm. Après, il peut y avoir aussi un peu de baptême de voltige ou baptême de l'air tout court. Oh, c'est sympa, ça. Et pour pas la question de monsieur. Le départ, il est à 16h. Ah bah, on est en avance. Dans les temps, les gars, bravo. Et comme d'habitude en ville, à chaque fois, tu dis une heure, mais... C'est bien la peine de se bouger le cul, putain. Putain, ça serait la Lespidi, je peux te dire qu'avec Mamadou, on serait déjà parti et... Ouais, j'en prends d'avance. Je vais pas savoir, je vais pas échanger les couches. Il est trop bien ce bus. Tu dois aller à la croche, à la crèche de Los Santos pour ça. Tu veux que je t'y conduise? Allez. Maman, tu veux que je le nettoie vite fait? Vas-y. Ah bah, qui a un kit de réparation? Vas-y, je m'en occupe, chef. Descends du camion, ma gueule. Vas-y, moi je le nettoie, toi, tu le répares. Bus. Nickel. Ok. Vas-y. Jamais m'a dit descendre du camion. Il a dit descendre du camion. Ouais, je me suis trompé, ma langue a forcé, j'ai dit après descendre du bus. Peut-être Alexandre, Alexandros Desseux, c'est vraiment un trou de balle. On est d'accord. Oh. Ouais, non, mais c'est vraiment un trou de balle, on est d'accord. Puis il est habillé en rose. Rose jaquette. Oh, ouais, je suis séché dedans. Ah, putain, il s'est chié dessus, c'est sûr. Eh, t'as fait une tâche à ta barbe, Curtis? Non, pourquoi? Je vois, on dirait que ça noircit un peu. Ah bon? Ouais. Et voilà, c'est. Ah, bah, c'est plus réparé. Bah, c'est que ça, c'est à force de rester avec toi que ça noircit. Viens, 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 je vais t'aider à mettre le film. D'ailleurs, je vais m'éloigner parce que ma peau va devenir noire à côté. C'est contagieux. Bon, pensez à fermer les portes, bordel. Ah, bah non, c'était joli la porte ouverte. Mais non. Mais si. Oh, bah, je veux pas que les invités prennent la poussière, d'accord? Au pire, c'est un bus de location. Pas grave. Magique. Nickel. Et voilà. Flambant neuf. J'arrive pas à monter dessus quoi. Ah si, j'ai une idée. Allez, va voir dedans, y'a plus d'essence que de réservoir. Nice, c'est cool ça. L'essence ça déborde et y'a une petite réserve en plus quoi. Bah allez. Ah, oui, l'essence ça déborde hein, Mamad. C'est du bus de qualité. Attends, j'ai fait le plein. Oulala. C'est pire que le plein. T'as fait le surplein. Il dégueule d'essence. C'est pas par où il a été faire le plein pour moi. Non, mais t'as rempli les sous ta bagage avec des jerrycans. Ah, le voilà. Bon, bah, on va pouvoir y aller. Allez, on va faire boum le bus, vous allez pas être prêt. Il va faire tic tac, boum. Allez, après, messieurs, c'est parti. Je suis vraiment mal poli, moi je suis monté. Ah, Tom, il est derrière moi. Tom, tu me chatouilles pas, hein. Attention. C'est parti. Point, point. Tu vas voir, on a une belle vitesse de pointe, Mamad. Et un bel angle de braquage aussi. Bien joué. Une Curtis. Surtout, une bonne direction assistée. Oui, t'as vu, hein. On voit bien le petit feu vert, ça veut dire que j'ai le retourné, hein. Oui. Bien. Pour les personnes qui n'ont pas leur code de la route dans ce bus. Je précise, hein. C'est bien, t'es gentil, ma mère. On va se faire rentrer dans le cul. Faut alors que j'arrête de traîner en bas. Oh non. Bah non, y'a personne derrière. Si. Une Jaguar derrière. Parce que déjà, que tu mets la thermie quand t'es pas flic, mais alors si t'as l'insigne. Ah non, bah j'ai tiqué ta race. Ah. Bah je sais très bien. Bah peut-être parce qu'il est trop proche du car. Ouais, c'est ça. Vous allez faire quoi là, à l'Airlines? Balade en ULM. C'est cool ça. Organisé par Alex. Bah et Tom aussi.
Et c'est qui pilote l'ULM? C'est tout le monde, parce que c'est une ULM, c'est monoplace. Ah bah ouais, ça veut dire c'est tout seul en fait. Mais c'est pas considéré comme un avion à proprement parler, vu que c'est un ultra léger motorisé. Ah, donc on a pas besoin de licence pour ça? Une formation théorique. Pourquoi tu dis ça? Par rapport au poids du bus. Voilà. Tu trouves pas qu'elle est assez à droite, hein? Je coûte combien l'ULM? 250. Ah oui, y'a moyen. Ah ouais! Je crois que c'est ça, hein. Je sais pas, j'ai pas vu sur les prix. Hein. Ouais, ça va. C'est vraiment pas cher. Oh, on les sort les chevaux, hein. Oh putain. Ils sont en train de galoper là. Ah ouais. Quoi, ça manque de couple? Ah non, y a trop de couple même. Allez, un petit coup de klaxon, Mamad. Aïe, chauffeur, champion. Et voilà, tu vois la petite montée là. Là j'étais à 55 dans la montée. Oh, ça j'ai d'atteindre les 93. Oh, moi, j'ai 95. Oh bien. 99. Wow. 100. Oh wow. Putain, on va se foutre sur le côté. 102. On va se foutre en travers. Ah bah 102, pas plus. T'aurais pu te faire arrêter par la police là, 10 km/h d'excès de vitesse. Ah bah j'étais foutu. Mais vous savez que j'avais demandé au gouverneur quand j'étais commandant de passer la ville à 90 et à 150 sur autoroute. Mais il ça a pas jamais été fait. Ah non, il avait juste fait un sondage. Non, il a demandé. À chaque fois, tout le monde dit mais la vitesse. Non, il a demandé. Donc, moi, en tant que commandant, quand j'ai commencé mon mandat ici dans cette ville, la première chose quand je suis arrivé, 2-3 semaines après, j'ai remarqué que les gens ils roulaient plus à 90 qu'à 80 quoi. Donc j'ai dit pour éviter de mettre des procès pour 10 km/h à chaque fois, autant augmenter les procès au-delà des 100 km/h. Pour leur faire comprendre qu'on veut bien être gentil, mais faut pas se foutre de notre gueule. Voilà. Et il m'a dit oui, c'est une bonne idée, et plus de nouvelles. Oh non. Tac, il déconne, il a rangé tous les ULM. Oh putain. Oh, on va s'en occuper. Ou alors c'est Mamadou le garage. Non, j'ai rien fait. A chaque fois je t'oublie, mais oui, non, mais c'est ton cousin, tu te rappelles? Klaxonne pas ici. Oui, si je peux klaxonner si je veux. Oui, mais klaxonne pas en reculant. Ouais. On peut sortir, chef. Allez-y. Merci. Ouverture des portes. Doucement, ne pousse pas. Voilà, on va tous y arriver. Très bien. Bon. Est-ce qu'on leur met des tenues comme on a passé un coup de fil pour le retour? Ouais, je vais avoir soucis. Choix avec votre nid. Très bien. Tu gardes mon beau bus. Ouais, je reste avec au parc central. Ok. Allez, à tout à l'heure. À plus tard, merci. Allez, messieurs, suivez-moi. Ah, Miller, je crois qu'ils ont pas compris. C'est pas grave. Pas... Oui, Mamad. C'est quoi, pilote d'hélico? 127. Oh, t'es un ouf. On va avoir trop chaud avec ta... Ah ouais, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Mais là maintenant, pour se reconnaître, bon, hein. Qui regarde tous les casques. Ah ouais. Je sais qu'Alex, c'est lui. De quoi? Alex, c'est lui, là. Oui. C'est moi. Ah mais Kimi, t'as enlevé ton casque, t'es pas mal. Bah j'ai trop chaud, attends, je peux même plus respirer. Bah tu le remettras plus tard. Oh putain. Oh putain. Ça fait tout drôle. Et c'est qui le mec devant là? Ah, la classe à Dallas. Ah ouais, ça rigole zéro, hein. Je peux aller changer de froc maintenant avec vos conneries. Oh, lui il arrive à manger à travers son casque, comment tu fais vos gosses? Ah bah j'ai juste retiré Et du coup monsieur Miller, vous restez sur la bouche, c'était horrible. Je sais pas, je vais aller me balader en ville, je pense. D'accord, pas de soucis. Il est passé où le bus? Et il est parti avec Mamad, enfin Mamad il est parti. Hein. Ah d'accord, ok. Il nous a déposé, il est parti direct. Il est au parking central là. Allez, ça marche. Bon bah, passez-moi un coup de fil qu'on vient de vous chercher après. Ça marche. Allez, bon courage, amusez-vous bien. Merci pour tout, à plus tard. Il a dit à radio qu'il avait fait monter à 130 pour vous. Ouais, il me l'a dit aussi. Ouais, mais j'entends rien moi. Allez, toi t'es sourd, c'est la vieillesse, gros, je t'ai dit, on va te faire je leur fais Audica. Le petit théorique et puis. Et il dit quoi, Audica? Oui. Bah, il dit qu'il va te mettre une prothèse auditive. Ah, d'accord. Bah, t'inquiète, ça se voit pas maintenant.
Ouais, messieurs, regroupez-vous, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. Alors, messieurs, vous allez utiliser un ULM, ultra léger motorisé. D'accord, donc ça va pas bien vite. C'est assez maniable, mais il y a quand même quelques règles de sécurité à respecter. Donc, bien évidemment, évitez de voler trop proche les uns des autres. C'est l'aile, c'est de la toile, donc le moindre frottement peut déchirer et là l'ULM tombe au sol. Oui. D'accord. Donc un petit peu de théorie peut-être pour vous expliquer comment ça a volé. Donc un aéronef est régi par quatre forces. D'accord. Donc la traction, la traînée, le poids et la portance. Toutes ces forces s'équilibrent de manière à ce que vous vous envoliez, d'accord ? Donc la portance, excusez-moi, hein, la portance va vous faire vous élever, la traînée va vous faire ralentir, la traction va vous faire avancer et le poids va vous attirer vers le sol. D'accord. Donc, il y en est où? D'accord, la Nostatico 3, il fait joujou. Du coup, là, nous allons décoller tous les uns derrière les autres en laissant une distance de sécurité minimum. D'accord. On va se mettre en radio publique afin qu'on soit tous en contact à tout moment. Des fois qu'il y en ait un qui a un problème, au moins, on sait où il est, on peut aller le chercher au besoin. Donc, attendez, je vais vous dire quelle fréquence aller. D'accord, donc ce sera la fréquence numéro 1, s'il vous plaît, messieurs. De près. Donc, du coup, vous avez tous un petit parachute à l'arrière, donc ne vous inquiétez pas. Il ne peut rien vous arriver. Sans parachute, c'est pas bien compliqué. Si jamais vous sortez votre parachute. Alors, vous avez deux ficelles, une à droite, une à gauche. Celle de droite vous fait tourner à droite et celle de gauche vous fait tourner. Voilà, il y en a un qui suit, ça fait plaisir. Il y en a un qui suit, vraiment ça. En l'air. Il n'y a pas de souci. Donc, si vous tirez les deux en même temps, cela va vous faire plonger. D'accord ? Et si vous les lâchez, bah vous allez continuer à votre petit rythme normal en descente. Donc pour atterrir, on évite un maximum les zones ombragées. Donc si vous voyez des arbres, c'est vraiment pas le bon plan. Le parachute risque de se prendre dedans et vous risquez de vous manger le tronc et de rester suspendu pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, le temps qu'on vous trouve. Donc si on pouvait éviter de se casser des côtes je ne sais quoi d'autre sur... sur un tronc, ça peut être voilà. Autant garder un bon souvenir de cet événement. C'est vrai. Voilà. Sinon, les petits moteurs des ULM sont des tout petits moteurs. Hein. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Donc, il y a l'allumage. D'accord. C'est juste le petit magnéto qui est à actionner. Pour l'arrêter, bah, tout simplement, hein, vous réactionnez le magnéto, ça va couper le moteur. Vous avez le régime normal, donc pour rester sur place, vous accélérez et vous avancez. D'accord. Une fois en vol, il y a une altitude minimum à respecter en centre-ville qui est celle du toit de la parobanque. Il ne faut pas descendre en dessous. Ok. D'accord. Et après une fois Sandy Shore, de toute façon on va se suivre. Pourquoi il sort un Bessera lui? C'est bon. Pour moi je crois. Enfin bref, est-ce que vous avez des questions peut-être? Non ça va. Il sort pas ça pour tirer sur ceux qui font des bêtises j'espère. Non, ils sont démilitarisés. Ok. Je demande au cas où quand même, pas qu'on s'embarque dans un truc bizarre. Oui, bonjour. Bonjour. Ah, ok, je croyais que personne ne parlait. Pourquoi te sortir un Bessera
Je sais pas, je trouvais qu'il faisait joli. Ça faisait un peu gros, tu vois. Non, mais je sais pas en fait, parce que moi je suis pas sûr de pouvoir faire la balade jusqu'au bout, donc je vais suivre. D'accord. Peut-être okay. Un peu plus éloigné, quoi. Ça marche, ça marche. Bah, du coup, on s'est tous connectés en radio pour rester en contact, pas de problème. Lequel le premier channel, tout simplement, la première fréquence. C'est bon. Ok. Bon. Eh bah, écoutez, messieurs, si vous avez pas de questions, on va se diriger vers les ULM. T'as vu, j'ai fait une jolie formation pour les ULM. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Je t'ai mis en leader, du coup. Ok, ok. T'as vu ? Ouais. Alors, on va peut-être faire un rapide tour de l'ULM avant de dégager. Je suis désolé, mais je préfère expliquer qu'il n'y ait pas de soucis en vol. Ouais, ouais, parfait, parfait. D'accord. Donc, l'ULM, comme vous le voyez, est composé de plusieurs parties. Il y a la partie cycle, d'accord. Donc, le train arrière. Il y a le moteur, la voile. Et il y a un petit tableau de bord avec altimètre, la vitesse. Et le régime moteur avec le compas. Donc au sol pour tourner, ça va se passer avec les pieds. Juste ici, vous voyez, il y a deux petits cale-pieds qui vont activer la rotation de la roue avant. Donc c'est avec ça que vous allez faire vos manœuvres au sol. Une fois en l'air, toutes les manœuvres s'opéreront avec la petite barre qui se trouve ici. Oh ouais. Vous la penchez à droite pour aller à droite, vous la penchez à gauche pour aller à gauche. C'est aussi simple que ça. Pour descendre, vous diminuez le régime moteur et pour monter, vous l'accélérez. Voilà. Donc du coup, bah, chacun peut monter dans un ULM. Alex, toi, du coup, t'as celui de devant. Oh, ok, pas de soucis. Normalement, j'ai fait le compte bon. Bon, on va bien voir.
Vous avez pas peur d'atterrir ici sur le temps. Bien sympa tout ça. Ouais. Et oui. C'était magnifique. Bon. Alors il nous manque Kimi. Ouais. Et je vais ranger les ULM puis j'appellerai Curtis après. Ça marche. Ouah, c'était incroyable, y'a pas de mots. Ouais. Oula, 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 oui, oula, oui. Oula, 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 oula. Heureusement il est léger. Mais bon. C'est vrai qu'on était 7 en départ. Ouais, oui. Parce que j'avais annoncé 5 appareils ULM. Ah oui, Marco. Yo Marco. Ah bah voilà. Ah bah rip. Qu'est-ce qu'il y a rip? Bah Marco, je sais pas où il est. Ah. Montez. Ah, c'était malheureusement. Bah si jamais il revient. S'il peut pas me faire un appel de détresse. Arrêtez le chauffeur. Pouette. Bah allez, on monte dedans. Salut Grisette. À cheval mémé, les carottes sont cuites. Merci. Bon, on va où? Bah retour hôpital. Ce sera tout. Allez. Bon, attention à vous, les cadets sont enragés aujourd'hui. C'est-à-dire... Ah bon, on leur faisait des doigts qu'on est en ULM. Ils contrôlent tout et n'importe quoi. Je sais pas comment il y a un petit cadet là, il est trop mignon. Genre. Enfin, il est mignon, il parle. Vous voyez ce que je veux dire. Il est tout innocent. Yes. Genre un petit poussin, vous voyez. Oh là. T'es tellement cul ça, enculé. Aïe. Ah putain, pourquoi je recrute des abrutis chez les taxis hein? C'est quand qu'elle ouvre votre ferme? Si on embauchait au QI, on n'embaucherait pas grand monde. Ouais, c'est pas faux. C'est quand qu'elle ouvre votre ferme? Bah, je sais pas, j'ai perdu le temps d'attendre. J'ai l'impression que je vous amène tous au pénitencier. Ça me rappelle des souvenirs. Ça t'aurait fait plaisir en plus, je suis sûr. Ah oui, quand tu sais. Je sais pas, je commence à te cerner, on va dire. C'est pas très compliqué en même temps. Bon, ça c'est pas très compliqué, c'est-à-dire que je suis facilement cernable, que je suis pas très intelligent. J'ai pas dit ça, c'est toi qui l'interprète comme. Je sais pas, je me méfie des docteurs qui essaient de me cerner. Et voilà, messieurs. Et voilà. Merci, chef. Merci. Merci bien. Merci.